Bah non, 151, c'est pas une réimpression. Si. Ah, possible, je sais plus. Écoute, je vais pas prendre le risque de me positionner là-dessus. Oh, petite carte à air de Altaria. Derrière, on a un Zacian. Oh, oh, oh. Eh ben monsieur, il nous tombe une secrète et c'est une des secrètes qui était les plus recherchées. Une alternate ici en SAR. Magnifique. Je prends pas grand chose sur les displays en préco. C'est juste que plus j'en vends, plus je vais pouvoir paraître sérieux aux personnes avec qui je travaille à l'heure actuelle là-dessus. Et plus par la suite, on sera bien quoi, tu vois. Je veux dire, voilà, c'est toujours comme ça. Si vous voulez du Lorcana, n'hésitez pas à passer par moi, ça fait le plaisir. Allez, on est parti. Le cœur de Tefiti. Je peux pas lui faire une display à 80 balles et derrière il fait une maléfique enchantée, putain! Sa mère! Tentez votre chance à la display. De toute façon, elles sortiront toutes de case, hein. C'est moi qui ferai le tri, donc voilà. Profitez bien, quoi. C'est dans un mois et 10 jours, normalement. Ah, c'est environ vers le 20, du mois prochain. Ça va, en fait, monsieur? On vous dérange pas? Ça va, y a pas trop de stress, là, le travail, tout ça, tout ça. Putain, il fait 4 enchantées, il dégoûte, en fait. On a déjà des spoils sur le fait que Ursula est de retour. On sait la puissance d'Ursula par rapport à la communauté, etc. Donc on sait que ça va être une carte qui va être recherchée. Il y a Mulan qui fait son apparition. Donc putain mais frère pardon. Non mais je veux pas m'énerver, mais c'est impressionnant. J'ai jamais fait des displays comme ça. Qui fait 5 légendaires plus une enchantée en fait? Alors c'est quoi des retours de régradation par hasard? Alors j'en ai eu il y a un petit moment, mais pas depuis la dernière fois là. Je sais pas si t'étais là. Il y a des gens qui m'ont jamais répondu. D'ailleurs je crois que je vais refaire un message quand même en global parce que... Jimo Kings Foil Légendaire. N'hésite pas à aller voir le card market que j'ai mis, parce que j'ai énormément de cartes du chapitre 3 en vente, et donc du coup, si tu veux commander tes cartes à l'unité des cartes qui te manquent, tu peux bien avancer, je pense. Hein. Ok. C'était donc une case... à 2 enchantés avec Jafar. Oh, qu'est-ce qu'elle est putain de belle cette carte, sa mère. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Chiche. Eh ben, Lorcana, aujourd'hui, pour lui dire au revoir, elle nous le rend bien. Hein. Les précommandes du chapitre 4 sont dispo sur le site, mais alors là, le chapitre 3, il nous a vraiment, vraiment régalade. 180, vous dites, les gars? Ok, wow, c'est cher. Hein. Magnifique, bravo. Bravo à toi, 151 français. Oh, attention. Pour moi, il y a un truc là. Dragon versus Mewtwo. Emma, j'espère que t'es contente de ça, parce que c'est la secrète, quoi. Magnifique, elle est magnifique. C'est, ah ouais, cette carte, c'est une zinzinderie. Ah, elle est belle, hein. J'adore cette carte. Ouais, le PSA 9,5, en gros. Attention, il y a un truc. Monsieur l'euphorie carte dresseur. Oh non, franchement, l'ouverture, elle est dingue. 5 boosters, il t'a fait plaisir, hein. J'ai pas que l'autographe de Solaire avant-hier sur cette box. Ah ouais, Safiane. En vrai, j'espère qu'on va voir un autographe. La Gold Drip Rookie de Warren Zaïre Emery. Ça, c'est très sympa. Carlos Soler, Renato Sanchez. On a le petit Hugo et l'autre, là. Attention, ça brille derrière. Sergio Ramos Gold Drip en numéroté. Non. Malheureusement pas. Mais la petite Sergio Ramos aussi, qui fait plutôt plaisir, qu'on va te mettre ici de côté. Ça y est, je suis de nouveau votre serviteur. Attention, ici on a quelque chose. Est-ce qu'on peut voir le joueur avant? C'est qui cette petite coupe là? C'est Neymar ça, non? Superbe, je suis très bon en coupe de cheveux. Sergio Ramos. Oh! Oh, oh, la signature. Oh, en 2 sur 5. Oh, 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 oh. Eh ben, la signature en 2 sur 5. On l'aurait eu en 4 sur 5, on aurait été ouf. Oh là là, mais là, on est bien déjà. On est bien, 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 on est bien.
Encore une gold drip de Messi. Vas-y, on va t'en sortir une de côté quand même. Et derrière, le Warren en carte rookie. Et aussi en numéroté. 55 sur 250. Elle fait plaisir, la petite rookie numérotée de Warren. Carte Jap, hier. Alors hier, on n'a pas fait de live sur des cartes Jap. La gold drip de Neymar ici, pour toi, Sofiane. Et on commence bah, directement avec le Fabian Ruiz ici, en 81 sur 250. Ce sera un Fabian Ruiz dans la première box. Mais attention, hein, on sait que ça peut continuer. Voyons voir ce que ça peut donner à la suite. Il y en a un que t'as pas ouvert. Ah ouais, je vais regarder après, là. T'inquiète. Kylian Mbappé en gold drip. Toujours sympa de l'avoir. Ouh, dommage. Le petit Neymar Junior. Oh, la triple autographe sur 99. Mais what? Oh là 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 là, mais chez qui vous êtes? Chez qui vous êtes? Expliquez-moi chez qui vous êtes. Soler, Vitinha et Fabian Ruiz en signature. Et en plus, numéroté sur 99, c'est la numéro 1. Allez, Nordi Mukiele, Markiki. Warren. Oh. Oh, la gold drip. Attends. Ben ouais, 97 sur 99 en gold drip. Celle-là, c'est une belle rareté quand même. Elle est cool. Elle est magnifique. La Sergio Ramos, ici qui tombe. La gold drip de Messi. Ok. Gold drip de Messi non numéroté. Ok. Il se passe un truc. Du coup, c'est vraiment... Donc, je pense que je me suis pas trompé. Il y a vraiment quelque chose. Donc là, on va commencer par, pour moi... Oups, voilà. La numérotée. Ok. Il y a pire. La 40 sur 175 de Léo Messi. C'est peut-être la box de Messi, là. Ce sera plus cher que si t'achètes un booster. Mais vu qu'il n'y en a plus en stock... je mets le prix que je veux. Je sais pas, je vais réfléchir après. Parce que là, je dois me concentrer pour avoir... Oh, c'est là. Allez. Oh, j'aime bien cette couleur. Alors, moi, quand je vois... Alors, je sais pas si c'est ça. Hein. Quand je vois cette couleur, je pense à Suicune. Et c'est une de mes V préférées de la collection. Mais, encore une fois, ça peut ne pas être ça, d'accord? Donc, si tu voulais Suicune, ne m'en tiens pas rigueur, ok? Oh, qu'est-ce qu'elle est... Ah, cette carte, c'est un banger, sa race, là! Pourquoi cette carte Pokémon, pourquoi on parle comme ça? Elle est magnifique. AR, ok. Ok, elle est là. Alors, on va essayer à la couleur encore. Flamme à joue ou chien de feu? Chien électrique. Oh, je me suis fait bait par le rouge. Elle est magnifique. Elle est magnifique. T'as fait deux chiens. Oh là là là. Cette carte aussi, hein, c'est une dinguerie. Hein. Incroyable. Moi, je vous dis comment j'ai envoyé mes cartes et comment j'envoie mes cartes. Et un Carlos Soler signature. Voilà. Bon, bah, c'est là que j'aurais dû prendre Benigno hein, au bureau pour ouvrir. Le signature qui tombe, Carlos Soler. Il y a des chapitres 3 ou 4 de l'Orcana. Alors, chapitre... Non, bah, il n'y a plus en stock du chapitre 3. Chapitre 4, c'est en précommande, mais je vais peut-être devoir les enlever. Léo Messi, numéroté. Il faudrait le numéro 30, le numéro 1... Et ce sera le 133. Dommage. Mais un petit Léo Messi numéroté, ça fait toujours plaisir. Évolution Céleste, pour l'instant, personne s'est placé dessus. Donc peut-être que Évolution Céleste n'aura pas de roue aujourd'hui, c'est pas grave. Mais il y a du Évolution Céleste, si vous voulez. Terraclope. Je peux pas me permettre de... Allez! Le Clamiral, c'est pas la meilleure. Ça, allez, on va pas mentir, c'est pas la meilleure. Quand je parlais d'une foulard, je parlais pas forcément de Clamiral. Mais le TB en termes de drop est beau, hein. 6 hits tout de même. C'est quand même très sympa, hein, mine de rien, en termes de nombre de hits. Et au moins, t'as un choix, quoi. Ouh, frérot. Là, j'ai un gros feeling. Ça a croché quand j'ai voulu la prendre. C'était bizarre. Après, je peux me tromper, hein. Malamandre. Eh oui. Et là. Et voilà. Marquinhos, Lionel Messi, El Shaddai, Pichabou, Carlos Soler et jaune. Mais non! Attends, jaune. Non, attends, je vais pas m'enflammer. C'était quoi la couleur du One of One? Bon, en haut, c'est bleu. Donc,
Non, ça doit pas être ça. Je pense pas que c'est une one of one, frérot. Va sur 50.